Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de la démo de Mass Effect 3. Alors, le contenu de cette démo. Alors, lorsque l'on clique sur démarrer la démo, nous avons, on va dire, deux petits passages de la campagne en fait, du contenu du jeu, quoi. Et moi, je vais faire surtout des vidéos du multijoueur parce que, voilà. Alors, le multijoueur. Petit temps de chargement. Alors, en premier lieu, déjà le choix des personnages. Alors, là on arrive à ça, on peut choisir des personnages. Alors, il y a différentes classes du jeu. Alors, dans chaque classe, nous avons différents skins avec différents sorts. Comme vous pouvez le voir, c'est bien sûr les sorts classiques de Mass Effect, hein. Ah bon, les classes c'est pareil, hein, c'est vraiment du classique Mass Effect, adepte, humain, humaine, c'est toujours humain, humaine, pareil, hein. Ils ont mis homme, femme tout le temps, soldat, humain, humaine, ingénieur, humain, humaine, sentinelle, humain, humaine, franc-tireur, humain, humaine, porte-étendard, humain, humaine. Alors, voilà, après comme je vous ai dit, avec différents skins, différents sorts. Voilà. Alors moi, à l'heure actuelle, ma classe préférée, mais même mes deux classes préférées, c'est le franc-tireur et le porte-étendard. Hein. Comme je l'ai pas dit, mais moi j'y ai joué sur Xbox 360 et là je l'ai retéléchargé sur PC parce que je compte vraiment de prendre le jeu sur PC parce que je trouve que c'est vraiment plus sympa. Alors après, lorsque là c'est le menu hein, du mode multijoueur, alors on va aller dans personnages. Le mode pouvoir, progression des pouvoirs comme dans Mass Effect, hein. Sauf que là on peut le voir, on a toujours les rangs, hein, 1, 2, 3, 4, et au rang 4 en fait on peut choisir, il y a deux choix dans les pouvoirs en fait. Là, par exemple c'est le souffle cryo, soit la durée du souffle est accrue, soit le rayon d'effet il augmente en fait. Vous pouvez le voir, voilà. Après, ça je vous laisserai plus voir tout seul en détail vu que la démo est gratuite sur Xbox PC et sur PS3 sûrement. Alors le personnage et les armes aussi, les différentes armes, le fusil, le sniper et le fusil d'assaut. Après bon, il y a les petites mitraillettes, pistolets quoi, fusil à pompe et un autre pistolet. Voilà. Alors, petit truc sympa, c'est qu'ils ont permis de rajouter des petits modules comme dans le premier pour les armes qui est vraiment pas mal à gérer quoi. On fait des missions multijoueurs en fait et on débloque des crédits. Comme vous pouvez le voir là, il me reste 2675 crédits. En fait, en gros, à chaque fois qu'on arrive à finir le mode multijoueur, on gagne des crédits ou qu'on remplit des objectifs, tuer des cibles, des choses comme ça, quoi. C'est le mode multi, c'est vraiment un mode, un mélange entre le mode Horde de Gears of War et un peu le mode multi de Army of Two 1 où il y a des mecs à tuer, des cibles à abattre et tout. C'est vraiment un mode Horde avec des objectifs à remplir. C'est vraiment plus sympa que le mode Horde de Gears of War qui est juste là pour tuer des gens et voilà, vu que l'IA n'est pas spécialement intelligente en plus. C'est certes sympa, mais au bout d'un moment ça devient vite très lourd. Hein. Bon après il y a un mode équipement, mais bon. En gros c'est on débloque des choses, on clique là, mission cryo 1, 2, etc. Enfin, ça c'est quand on achète à la boutique en fait avec nos crédits. Il y a deux packs vendus à la boutique. Enfin, il y a trois packs au début. Il y a un pack de je sais plus comment ça s'appelle, c'est le pack de démarrage, un truc comme ça. C'est pour démarrer, il nous donne des armes, du skin et tout, si on a de la chance. En gros, chacun des deux packs a quasiment le même contenu, sauf que dans le deuxième pack, on a vraiment plus de chances d'avoir des choses, comme ils disent, inhabituelles. C'est du matériel,
des fois de l'XP pour certaines classes, je sais pas, des skins de personnages, comme je vous l'ai montré, hein. Je vais retourner là, hop. Par exemple, on peut débloquer le Galarien, par exemple, la Tsari, etc. Voilà. Enfin bon, bah, le dernier onglet, c'est l'apparence. Pour l'instant, j'ai que ça. On peut choisir la couleur du perso. Moi, je mets tout le temps en vert, un peu comme ça, pour le petit clin d'œil aux Spartans de Halo, quoi. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo de présentation de Mass Effect 3 vous aura plu, et bah, à bientôt pour une vidéo in-game, quoi. Allez, salut!